La coopération bilatérale entre l'Italie et le Congo ne souffre d'aucune entorse. La preuve en a été donnée ce jour à travers cette audience entre Massimo D'Alema, président du groupe Palumbo, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba. Le menu principal de cette entrevue a été la construction d'un campus pour la formation professionnelle des jeunes Congolais. Accompagné du ministre de l'Enseignement technique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Nicéphore Fila Saint-Eude et son Excellence l'ambassadeur d'Italie au Congo, Massimo D'Alema a donc présenté son projet professionnel au chef du gouvernement. En partenariat avec différentes entreprises italiennes spécialisées dans l'ingénierie publique, ce groupe conçoit donc des modèles de campus qu'il soumet à la validation des autorités des pays. Le Congo est un pays jeune, est un pays riche de ressources naturelles, de jeunesse, etc. Je pense que la coopération avec un système économique fort, et un système d'entreprise fort comme l'italienne peut aider. On peut parler d'une solution gagnant-gagnant parce que d'un côté, nous avons intérêt à développer nos entreprises. De l'autre côté, il y a un pays qui a besoin de croissance et d'emploi. Heureux par la qualité de l'accueil et de son séjour dans notre si beau pays, Massimo D'Alema caresse l'espoir que cette rencontre puisse permettre l'examen de la faisabilité de ce campus professionnel au Congo, très utile pour la jeunesse congolaise.